tous et bienvenue à l'épisode 2 de Wayward Wonder. Donc la dernière fois on s'est laissé ici devant le donjon, donc on va les laisser s'approcher. On va faire le gros connard. Alors, allez, on va essayer de se dépêcher. Oula. Ah, dégage. Hop. On va essayer de trouver les spawners avant. Oula. Alors, comme vous pouvez le voir, moi et mon ordinateur, c'est une grande histoire d'amour avec les spawners. Je déteste les maps qui consistent à faire spawner comme pas mal de mobs avec des spawners. Normalement, il devait y avoir un autre spawner. Ouais, il est là-bas. Hop, hop, hop. Allez, normalement il y a un troisième spawner. Où il est le dernier? Bon, je regarde pas encore le coffre parce que en fait je voudrais vite fait clean toute la zone. Alors je m'excuse vraiment des lags, mais l'ordinateur et les spawners ça fait deux à chaque fois. Tant que je puisse pas me payer l'ordinateur que je voudrais. Je dois faire avec. Ah ouais, c'est ce que je disais, il y a un spawner là-bas, putain. Oh, dégage-toi. Voilà. C'est ça la grande histoire d'amour. On détruit les spawners et il n'y a plus rien. Hop, ça continue à spawner là-bas, donc il doit y avoir quelque chose. Pour pas changer. Ah merde, il y a un mini bébé. Il y a un bébé zombie. Toi, tu dégages. J'aime pas les zombies. Les zombies, j'en fais de la pâté pour chien. Alors, je sais pas, ça sera... J'ai l'impression des fois qu'il y a un parcours de jump. Et j'ai une forte impression que ça sera plus ça. Hop, donc il reste là-bas. Bon, on récupère les toiles parce que sérieusement, ça commence à me prendre le chou, ça, les spawners, enfin les pas les spawners, les trois derniers. Ah c'est con toi, tu peux... Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que les mobs sont tellement débiles des fois que qu'à travers une toile d'araignée, ils arrivent même pas à me repérer. Alors sérieusement, il y a vraiment un parcours de jump? Non, pas possible. Il est où le dernier là? Oh Jean-Paul! Tu vas où Jean-Paul? Voilà, on dirait qu'on a clean la zone, mais il doit y avoir encore un spawner quelque part parce que la map devrait pas me juger. Pourquoi ai-je tout le temps raison quand je dis ça? Ouais, faut passer par là. Ah, c'est Ixion. Ah bah toi. Toi, ça va être la grande histoire d'amour. Voilà, Ixion. Non, j'ai échoué contre pourquoi contre toi ou je sais pas. Wow, ça veut dire comment j'ai fait? Ouais. Ah, Mausoleum of Archimosho, normalement, en fait, quand on regarde dans le coffre, normalement, on a un papier. Moi, perso, je l'ai pas pris parce que voilà. Enfin, maintenant, il faudra que je vérifie de temps en temps les coffres. Donc, maintenant, on peut se barrer. On peut se barrer.
On va même verrouiller l'entrée. On n'y rentrera jamais dedans. Voilà, verrouillé. Attendez, hop. Ça ira plus vite si je coupe à la hache, peut-être. Hein. Hop, voilà. M'en fous. Je ne veux plus entendre parler de ce donjon de merde. Ah, ouf. Ah, mais si tous les donjons me font hein, des lags absolus comme ça, je sais pas pourquoi leur dit tiendra jamais toute la série. Surtout que je sais pas combien de temps elle va durer. Alors, donc, nous avons obtenu Mausoleum. Mausoleum of Halicarnassus. Normalement, ça, c'est le nom du musée en plus. C'est quand même de base, il devait y avoir un command block qui devait me le montrer, mais ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner des fois. Oula. Du calme, du calme, du calme. Donc, ça. Attendez, j'ai obtenu les bottes de Ixon. Plus 4, plus 4 de vie. Moi, ça me donne de la rapidité, solidité, solidité. À 10, 10, 10. Ouais, non. On va peut-être garder les. Je sais pas. On va garder les bottes de côté. On garde la chair putréfiée. On garde ça. Ça, ça. On a une épée de recul 1, solidité 2. On va laisser un four ici. Au moins, je pourrais faire cuire de temps à autre la bouffe. On va aller tuer des mobs vite fait. Ah bah des vaches, c'est nickel ça. Voilà. Je vais pas aller à Perpète hein, aussi. Ah bah d'accord. D'accord, des bottes, tranquille. Mets le waypoint. D'accord, on a des armes de merde. Ah, ça c'est la grotte où j'étais passé au début. Ça c'est le donjon des famines. bon, on dirait que c'est bon. J'ai à peu près éliminé toute espèce vivante autour. Bon, on va refoutre un charbon. J'attends que ça cuise. Bonjour, monsieur PNJ. Vous savez quoi? Vous avez un grand pif. Toi, tu me proposes quoi? Émeraude, 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 émeraude. Des émeraudes, une émeraude contre des name tags, contre de l'XP, contre des flèches, contre un under chest. Ah, par contre, tes bottes elles m'intéressent, là, mec. Je vais pas te tuer. Je l'aurais tué s'il m'aurait pas été utile. Parce que moi, ma logique, ça se résume à ça. Un PNJ inutile, il est mort. Donc. Le monument. Voilà. Le mausoleum bloc à retourner. Good job. Le bloc du musée de retour. Bon travail, Cracker Gaming. Ouais, je suis un bon travailleur. on a du poisson. Je sais pas si on va pouvoir le faire cuire. Ah oui. C'est un peu abusé ça. Dites-moi qui a c'est. Non. Voilà, je m'en fous. Voilà, le poisson qui servait de base pour attaquer a servi à faire de la bouffe. C'est tout à fait logique. Voilà, normalement il devrait y avoir assez. Alors ça dégage, ça aussi. Œuf aussi. Charbon.
Donc la first quest, elle peut dégager. Solidité 1. Alors, plus 4% de vie. Ouais. Ça dégage. D'accord, ça m'a bouffé vraiment, mais... Voilà, on va bouffer vraiment ce qui est le plus bas au niveau bouffe. Alors, side quest. Donc, est-ce que ça valide automatiquement si... Alors, trouver le cheval rare noble. Non, ouais, d'accord. Ça sert strictement à rien. Bof. Donc, on a fini le premier et donc on va aller au second truc. En fait, les points d'exclamation, je remarque sur la map, ce sont des quêtes. Et les étoiles sont représentatifs des blocs. Donc, hop, attendez. Lui, il a pas l'air de vouloir me repérer. Oui, d'accord. Toi, par contre, tu as décidé de me repérer aussi. Voilà, tu meurs, toi. On récupère tout ce qu'on peut avant. Ah, par contre, des fois, les bottes de vitesse, c'est pas la plus utile. Voilà. Alors, attendez, parce que là, je suis en train de partir. Attendez, alors, si je regarde comme c'était. Attendez, parce que là, en fait, j'essaie de me repérer selon la carte. Ouais, donc c'est par là. Je m'en fous, je me tire. Oh, il y a un truc là. C'était... Non, c'est pas ça. On a trouvé quelque chose que... Voilà. Alors là, j'ai tenté de piquer le bloc de laine. Ah, c'est quoi celui-là? Coordinate ship. Ah, ce mec, en fait, il donne les coordonnées. Bon, par contre, on récupère ça. Hein. Ça fait toujours de la bouffe. De la bouffe. Ah, oh, bah oui, d'accord. Tranquillos, toi, t'as de la bouffe. J'aurais peut-être dû faire une deuxième épée en fer parce que j'ai l'impression que je vais en manquer. Ouais, voilà. Circloc. Merde, il n'y avait pas une quête avec ça. Parce que généralement, c'est pas renommé si. Voyons, on regarde, mais je crois que j'ai fait une grosse connerie. D'accord, il y a des easter eggs. Attendez, je regarde. Ah, il y avait un truc de téléportation random. D'accord, non, il n'y avait rien avec ce poulet, donc j'ai bien fait de le tuer. Putain, je vois combien tu me coûtes, mon pauvre. Je sens que ça fait très très mal. Wool coordination. Wonder cord. D'accord, t'as 5 types de coordonnées Wonder et t'as une coordonnée de... Et t'as un truc de poulet bloc. Donc moi j'étais parti en comme ça essayant de trouver une autre forêt. Parce que la prochaine quête se trouve dans une forêt malgré que notre objectif principal c'est de trouver plus l'Eden. Malgré qu'à côté il y a quand même une laine. Une laine. Allez, putain. What the fuck is shit? D'accord, on a trouvé un temple. Enfin, si c'est ça, représentatif des temples, putain. Wow! Alors, rollback, c'est soit le zombie, il est soit il avait haste, putain, mais alors là il m'a fait.
attendez, putain, et à chaque fois j'ai pas les blocs sous la main. Hop. Non, peut-être pas faire avec ça. Voilà, hop. Vérifions. Ouais, non, en fait, c'est représentatif du temple de la jungle, mais version désert. On va faire attention. Dites-moi pas que c'est ça le. Oula, ça a l'air de continuer bien bas, ça. Voilà. Putain, je trouve des donjons, mais de plus en plus n'importe, de plus en plus what the fuck. Oh, d'accord. Allez-y, trouvez-moi ce spawner là-dedans. D'accord. C'est les bâtards. Ils cachent le spawner derrière. Ouais, bof, on va faire un chemin. Ça. Parce que voici à quoi sert la vraie utilité de ça. Ah, c'est la nuit. Ça, il m'attaquerait pas. Oh non 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 non, vous déconnez là, pas le silverfish là. Non 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 non. C'est très mauvais pour moi. Mais ah, ta 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 ta. Vous arrêtez de m'emmerder. Surtout que je déteste les silverfish déjà, alors. J'essaie d'utiliser le moins de torches possible, mais ça va pas être du tout du gâteau parce que là. Ah, bande de salopes! Oh, putain. Arrêtez de me foutre des silverfish là, sérieux! Vous allez me faire dégoûter du jeu. Ah, mais putain, mais arrêtez de venir derrière! Alors, je sais pas, est-ce que l'inventaire est conservé quand on meurt? J'ai un doute. Non, vous déconnez là. Non, 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 non. Voilà, dégagez. Voilà, et... on va foutre ça, ça, voilà. Donc, faisant récapitulatif, on est en train de se faire niquer la gueule, on n'a plus d'épée en fer, et le pire dans tous les cas, c'est qu'on a pas mal de spawners à casser. Enfin, on a une épée, mais elle va pas tenir longtemps à la solidité 2. Alors, regardons l'armure. Déjà, elle a pris cher. Ah, de la bouffe, ça, ça dégage. Peut-être, ouais, on va foutre la brique mêlée parce que. Attends, faut dire, je suis obligé d'utiliser, on va dire, les. Oh là là, qu'est-ce que ça fout du temps? Oh, putain, dégage, dégage, dégage. Gâche toi l'araignée. Alors on va essayer déjà de. Non, non. Hop, on essaie de se régène. Oh, ça c'est une grosse là quand même.
L'épée tiendra pas longtemps. Putain, si je pouvais le casser autrement, les toiles là, faudrait une cisaille pour ça. Y en a combien? Oh, c'est bon. On peut se barrer de là-dedans. Hop, voilà. Maintenant, on va illuminer au milieu pour éviter les problèmes de spawn naturel. Hop, d'accord, on a trouvé un coffre. Ouf, bah d'accord. Je crois qu'on n'était pas censé le trouver maintenant, peut-être ce cadeau-là. Ah, par contre, celui-là, je crois que j'étais censé le trouver. On reste pas à côté de ça. Je suis pas très chaud pour rester à côté d'une araignée. Empoisonné, hop, voilà, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Là, voilà. Oh bah. Résultat des courses, on a un casque maintenant. Hop, voyons. Hop. Bof. Bah, ça fait un très bon épisode, ça déjà. On va peut-être récupérer le bloc de bois, parce que c'est pas comme si voilà, mais j'en aurais peut-être besoin. Donc d'ici le prochain épisode, j'aurais fait vite fait un petit aller-retour au musée pour déposer. Hein. Donc on se retrouvera devant ce temple. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à suivre cette série hein, si elle vous plaît. Et je vous dis, passez une bonne semaine. Allez, bye!